Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. On est en direct du stade municipal. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le stade Rennais face au Paris Saint-Germain. Ce match nous permet de suivre le stade Rennais face au Paris Saint-Germain, soit l'équipe qui marque le moins face à celle qui se montre le plus intraitable en défense. Ah, maintenant. Que vous avez toutes les données du match, et ben place au jeu. Ce stade qui n'accueille pas que des matchs de foot, hein, Pierre. Non, il est assez polyvalent. En plus, les tribunes sont bien abritées. C'est quoi, hein? C'est pratique quand il pleut. Alors que vous découvrez la composition du stade Rennais, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Di Maria. Il a quand même déjà un très beau palmarès, hein, André Di Maria. Oui, surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la C1. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 également. Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Mbappé. Draxler. Attention. Oh, il y est! Oh, le premier but dans cette rencontre! Une rencontre qui démarre à fond! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but? Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des Tourans. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Enis Bardi, Benjamin Bourigeau. Loharo. Non, elle est interceptée cette passe. Nathan Ben Arfa. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Bonne anticipation sur cette passe. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bien défendu ce ballon, récupéré sur l'aile. Johansson, touche pour le PSG. Ouais, faute sanctionnée, c'est un coup franc. Allez, on va jouer un long ballon. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ce sera un corner pour le stade Rennais. À l'équipe qui a pris l'avantage. Probablement au meilleur moment. On revoit ce but qui fait si mal. Et le gardien qui remporte son duel. Piccini. Allez, par-dessus, pas mal. La touche sera parisienne. Draxler. Edinson Cavani. Il lève son ballon, c'est pour Di Maria. Di Maria, il faut se méfier. Neymar, la frappe de Neymar. Et le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On voit sur le ralenti que le gardien touche le ballon, hein, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. Là, ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Enis Bardi. Johansson. Verratti. Neymar. André Di Maria.
On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Neymar. Allez, il peut faire un truc intéressant. Neymar, la frappe. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Atem Ben Arfa. Marco Verratti. Neymar. C'est un privilège hein, de voir jouer Neymar quand même. Lui il me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires. André Di Maria. André Di Maria. Parfaitement joué le coup. Il avait l'occasion de marquer, il a su la saisir, c'est cool. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne peuvent plus lâcher maintenant. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Elise Bardi. Johansson. Ah non, le ballon est perdu. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Piccini. Oaro. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. 3-0, c'est avec... C'est reparti pour 45 minutes avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, hein, cette facilité. Oui, mais bon, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. Dans cette grande mode mondiale, le faux pied, mais il est capable de faire des dribbles incroyables. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. La frappe. Kylian Mbappé. Oh, le but signé Kylian Mbappé. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite. Hein. Mais le buteur signe un bel exploit individuel. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ouais, clairement, ce match tourne à leur avantage. Elise Bardi. Da Silva. On écarte le jeu. Le ballon dans l'axe, attention. Il a préféré dégager ce ballon. Ouais, un bon ballon d'attaque. Oaro. Et la voilà la frappe. Ouais, ce ballon qui finit loin du but. C'est un joueur aîné qui va être remplacé, Pierre. Un changement qui va peut-être obliger l'autre équipe à s'adapter aussi, on va voir. La bonne défense des Rennais qui ont récupéré ce ballon. Benjamin Bourigeaud. Atem Ben Arfa. Est-ce qu'il va centrer? Oh, c'est dangereux. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. La touche sera pour le Stade Rennais. C'est un joueur Rennais qui va être remplacé, Pierre. Atem Ben Arfa laisse sa place à Clément Grenier. Encore un produit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Piccini, ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, la lutte à Prin pour reprendre ce ballon. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison.
Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club va affronter le Stade de Reims pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1 Conforama. On peut s'attendre à une rencontre assez tranquille pour cette équipe. Allez, peut-être une bonne occasion. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. C'est un joueur aîné qui va être remplacé, Pierre. Ouais, il fallait changer quelque chose dans cette équipe. C'est chose faite maintenant. Di Maria, occasion de but là pour André Di Maria. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Piccini. Benjamin André, Ludovic Ball. L'arbitre qui laisse l'avantage à Rennes. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. La frappe. Non, c'est contré. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Damien Da Silva. Benjamin Bourigeaud. Ce ballon qui est intercepté le long de la ligne de touche. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Oaro. Magnang. Le tir. Oh, c'est contré ce tir. Kurzawa, le dégagement. Benjamin André. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, 4 minutes. Il reste 4 minutes à jouer. Enis Bardi. Clément Grenier. Il est dépossédé du ballon. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Benjamin André. Da Silva. Marco Verratti. La rencontre qui s'achève à l'instant sur cette victoire donc du Paris Saint-Germain. Voilà, ils ont eu moins de ballon que l'adversaire, mais les 60 qui s'imposent. Ils ont été solides, hein, les visiteurs, une fois de plus. Ils ont bien maîtrisé. On every side, bye, bye, bye.